que les moins de 200 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, régnait le roi Henri de Plantagenet et son épouse, Aliénor d'Aquitaine. Pour ma part, je suis porteur d'eau. Et voici mon célèbre acolyte, le tambourineur. Ah, il peut faire ça pendant des heures. Hein. Ah, ouais. Allez, il faut juste applaudir un petit peu. Ouais, voilà, bravo. Voilà. Ah, ils m'aident beaucoup dans ma tâche. Mon rôle, c'est donc d'aller chercher l'eau à la rivière et de la remonter jusqu'au château pour le roi. Pour ça, j'utilise un joug. Vous savez ce que c'est un joug? Exactement. Ah, plein de bonnes réponses, hein. Plein de bonnes réponses ce soir. Donc en effet, un joug, quand on fait un comme ça, c'est un bâton et aux extrémités, un seau. De chaque côté, évidemment. Voilà, c'est plus facile pour l'équilibre. Et donc, on remplit ces seaux, on les met sur les épaules et on les remonte. Le chemin le plus court pour aller jusqu'à la rivière, ce sont le chemin des 100 marches. Tu peux arrêter de bouger. Comme vous dites. Et encore, le chemin des 100 marches, ça, il n'y a que ceux qui ne les ont pas pris qui l'appellent comme ça. Parce que 200 marches, il y en a bien plus pour y aller. Bien plus. Et derrière, ça me rappelle une petite histoire, ça. Quand on était tout en bas, à la rivière, je remplissais mon seau. Et voilà mon compagnon là, qui me dit « Oh là et... !» Bah, il parle pas comme ça, mais... mais un peu quand même. Qui me dit « Hey, ton seau, là, il est percé, il y a un petit trou, là, une petite fêlure. » Ah oui, mais bon, c'est pas grave, je le mets quand même, j'avais pas le rebouché en bas de toute façon. Je le prends sur moi et je remonte et on descend et on remonte. Parce que c'est vrai qu'on faisait ça tous les jours, on faisait même ça plusieurs fois par jour. Et à chaque fois qu'on était en bas, il me disait... Il y a un trou dans ton seau. À chaque fois. Au bout d'un moment, quand arrivait la dernière remontée, je lui dis « Attends, mon petit gars. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder sur le côté du chemin et tu vas voir un petit peu ce qui s'y trouve. » Et qu'est-ce qu'il a fait? On est commencé à remonter. Et il a regardé sur le côté du chemin. Et alors là, ce qu'il a vu, c'est une belle fleur du monde qui avait poussé, mais que d'un seul côté. Et les plus belles fleurs du monde avaient poussé. Le seau perdait une petite goutte à chaque fois et arrosait un seul côté du chemin. Et d'ailleurs, on en a cueilli une. Et où tu l'as mise? Tu l'as perdue? Mais non. C'est ce qu'on dit hein, maintenant, même un petit peu fêlé, on a toujours son utilité en fin de compte. Aidez-moi, venez m'aider, mon seau est tombé dans le fond de la rivière. On m'appelle. Messieurs, dames, bonsoir.